L'iguane marin, également connu sous le nom d'iguane des Galapagos, est une espèce de lézard unique et emblématique qui est endémique des îles Galapagos, située dans l'océan Pacifique. Apparence, l'iguane marin est un lézard de taille moyenne à grande. Les mâles peuvent atteindre une longueur de 1,2 à 1,5 mètres, tandis que les femelles sont généralement plus petites, mesurant entre 0,6 et 0,9 mètres. Son corps est allongé et aplati latéralement, avec des membres courts et des doigts munis de griffes puissantes. Il a une tête large et aplatie, avec un museau pointu et des narines surélevées qui lui permettent de respirer tout en restant partiellement submergé. Adaptation à la vie marine, l'iguane marin est remarquablement adapté à la vie dans l'environnement marin. Il est capable de plonger dans les eaux côtières pour se nourrir d'algues marines, sa principale source de nourriture. Ses narines surélevées et ses valves nasales spéciales lui permettent de retenir l'eau salée lorsqu'il plonge, tandis que ses glandes nasales lui permettent d'éliminer l'excès de sel après avoir ingéré les algues. Son corps est également doté d'une queue puissante, qui lui permet de nager efficacement. Coloration distincte, l'iguane marin a une coloration unique qui le distingue des autres iguanes terrestres. Les adultes ont généralement une teinte sombre, allant du noir au gris foncé, ce qui leur permet de se fondre dans leur environnement rocheux côtier. Cependant, pendant la saison de reproduction, les mâles développent des couleurs vives, notamment des tons de rouge, d'orange et de vert sur leur tête et leur corps. Comportement. Les iguanes marins sont généralement semi-aquatiques, passant une partie de leur temps sur Terre pour se réchauffer au soleil et une partie dans l'océan pour se nourrir. Ils sont grégaires, formant souvent des agrégations denses sur les rochers côtiers pour maximiser leur chaleur corporelle. Ils sont également connus pour leur capacité à plonger à des profondeurs allant jusqu'à 15 mètres et à rester sous l'eau pendant plusieurs minutes pour se nourrir. Régime alimentaire. L'iguane marin est principalement herbivore, se nourrissant d'algues marines qui poussent le long des côtes rocheuses. Son régime alimentaire est composé principalement d'algues vertes et brunes, telles que les algues sargassum et ulva. Ces algues sont riches en nutriments et en minéraux, ce qui permet aux iguanes marins de survivre dans un environnement où les ressources alimentaires sont limitées. Cycle de vie, la reproduction chez l'iguane marin est étroitement liée aux fluctuations saisonnières de la température de l'océan. Pendant la saison de reproduction, les mâles arborent des couleurs vives et se livrent à des combats rituels pour établir leur dominance et accéder aux femelles. Les femelles pondent leurs œufs dans des trous creusés dans le sol, à proximité des zones côtières. Après l'éclosion, les jeunes iguanes marins se dirigent instinctivement vers l'océan et entament une vie semi-aquatique.
Adaptation unique. Les iguanes marins ont développé plusieurs adaptations uniques pour survivre dans leur environnement marin. En plus des valves nasales spéciales qui leur permettent de retenir l'eau salée, ils ont également une glande spéciale située derrière leurs yeux qui filtre l'excès de sel. Leur corps est conçu pour maximiser l'efficacité de la natation, avec une queue puissante pour la propulsion et des membres courts et plats pour minimiser la résistance dans l'eau. Importance évolutive. Les iguanes marins des Galapagos ont joué un rôle significatif dans la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Leur présence sur différentes îles de l'archipel a contribué à sa compréhension de l'adaptation et de la spéciation. Les populations d'iguanes marins ont évolué de manière distincte sur chaque île, donnant lieu à des variations morphologiques et comportementales adaptées à leurs habitats spécifiques. Conservation. L'iguane marin est une espèce vulnérable selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce comprennent la prédation par des espèces introduites, la concurrence avec les espèces envahissantes, la perturbation de l'habitat côtier et les impacts du changement climatique, tels que l'augmentation des températures de l'océan et les événements météorologiques extrêmes. Des mesures de conservation, telles que la protection des habitats clés et la réglementation du tourisme, sont mises en place pour préserver cette espèce unique. L'iguane marin des Galapagos est un exemple extraordinaire d'adaptation à un environnement marin difficile. Son lien avec l'histoire de l'évolution, son régime alimentaire spécialisé et sa distribution restreinte en font une espèce emblématique des îles Galapagos et un symbole de la biodiversité unique de cet archipel. L'iguane marin est un exemple fascinant d'adaptation à la vie marine. Son apparence distincte, ses adaptations physiques et son mode de vie spécialisé en font une espèce emblématique des îles Galapagos et un sujet d'étude intéressant pour les scientifiques et les passionnés de la nature.